Mon coup de cœur de ce soir, eh bien, c'est un énorme coup de cœur, un coup de cœur eh bien, de circonstances pour les fêtes de fin d'année. Un très beau livre, c'est le livre sur Saint Jean-Paul II, écrit par Henri Tinck et publié aux éditions Télémaque. Alors oui, cet ouvrage est vraiment un très beau coup de cœur parce que d'abord, eh bien, il n'existait plus de très beaux ouvrages sur Jean-Paul II, des livres d'images, un livre qui retrace sa vie. C'est le propos de ce livre, retracer toute la vie de Jean-Paul II de façon non pas exhaustive, mais dans ses grandes lignes. Vous allez retrouver Jean-Paul II depuis son enfance en Pologne. Karol Wojtyła, né à Wadowice, et va connaître un destin incroyable. C'est aussi un ouvrage magnifiquement illustré, une iconographie très riche. Vous allez retrouver toutes les grandes photos que vous aimez de Jean-Paul II, toutes ces photos qui ont marqué le monde, mais aussi plein de photos aussi qui sont totalement inédites et qui le rendent plus vrai, plus vivant encore. Le livre est aussi magnifiquement bien servi par un très beau texte d'Henri Tinck, journaliste, qui a suivi pendant de longues années Jean-Paul II pendant tout son pontificat. C'est un ouvrage donc qu'il faut offrir et faire découvrir aux jeunes. Et puis, il faut faire découvrir cette immense figure spirituelle, cet arpenteur du monde, cet athlète de Dieu, cet homme qui fut épris de poésie, de théâtre, mais aussi de philosophie, et puis cet homme éminemment spirituel. Il aura bouleversé, façonné, changé radicalement l'Église catholique dans le monde à la fin du XXe siècle. C'est un homme qu'il faut redécouvrir et faire partager aux plus jeunes. Cet homme qui fut un grand résistant face au totalitarisme, et puis ce fut aussi le créateur des Journées mondiales de la jeunesse. Enfin, un homme à découvrir, un homme éminemment spirituel, un homme que tout le monde a aimé et aime encore. Et je vous propose donc de découvrir cet homme à travers un magnifique ouvrage.